vers les autres. Et là, ça permet de garder un lien social. Hein. Faire des visites aux personnes âgées. C'est pas le but de montrer du doigt. Hein. Exactement. Ah non, c'est le but de garder un lien social. Hein. Tout dépend le contexte, parce qu'une mère célibataire avec deux enfants bas âge, je la vois pas aller ramasser des papiers. Moi, non. Peut aller à la résidence pour faire des activités, c'est équivalent. Il n'y a jamais personne. Personne. C'est dommage. Surtout maintenant qu'il y a l'animatrice, c'est super bien. Surtout qu'on a une animatrice qui est très bien. C'est un peu dommage. Activité, alors qu'il y en a qui s'ennuient chez eux. En plus, il y en a peut-être qui s'ennuient chez eux. Ils viennent, c'est peut-être une idée à diffuser, ça, parce que tout le monde est beaucoup. Les gens ne veulent plus faire de jardin, ne veulent plus ceci, plus cela. J'en veux de moins. Hein. Bon, les jardins ouvriers de la province, il y en a beaucoup qui fonctionnent, hein, quelques-uns encore, mais très peu. Alors, un autre sujet qui est important, c'est l'immigration et l'intégration. Que pensez-vous de la situation de l'immigration en France aujourd'hui et de la politique migratoire? Quels sont, selon vous, les critères à mettre en place pour définir la politique migratoire? Que pensez-vous de l'immigration en France? Il y en a trop. Et c'est la France, elle va exploser. C'est contrôlé. Vous les renvoyez où, les gens qui sont dans l'illégalité? C'est nous qui vont émigrer. Vous les renvoyez où, les gens qui sont dans l'illégalité? Vous les renvoyez où, les gens qui sont à Bray, là, les migrants qui sont à Bray? Dans un pays en guerre. Ils sont pas dans l'illégalité. Vous les renvoyez dans un pays en guerre? Oui, non, pas tout. Mon père était immigré. Il est arrivé le premier. Mon père est arrivé en France tout seul. Il nous a ramenés après. Il y en a, ils leur demandent même pas qu'ils partent. Ils sautent. C'est ça. Les mineurs, là, ils sautent. Leur pas. Des fois, ils sautent. On dit que la France est le pays où c'est l'un des pays où il est plus taxé. C'est vrai. Mais c'est le pays qui redistribue plus. Sur 1 000 euros. Je sais pas si vous avez vu. Il y a le
ministère des Finances ont sorti un tableau sur 1000 euros. Vous avez 570 euros qui est reversé pour le chômage, la sécurité sociale, tout ce qui est aide sociale. 570 euros sur 1000 euros dépensés. Le budget de fonctionnement, on dit les députés, ça coûte cher, hein, sur 1000 euros, les députés, les sénateurs, tout ce qui est la fonction publique, c'est 1 euro. Sur 1000 euros dépensés. Vous pouvez aller sur le site du ministère des Finances, vous verrez. Et après, vous voyez, il y a 60 euros pour l'éducation nationale, ou la justice. Mais quand on voit que sur 1000 euros, on dépense 576 euros pour l'aide sociale, pour tout ça, il faut bien savoir. Si on veut réduire les impôts, ben, automatiquement, vous êtes obligé de réduire les aides sociales. Ah ben oui. On fait quoi? On fait comment? Les gens sont dans la misère, là. On fait comment? Alors, je sais bien qu'il y a peut-être des impôts qui sont peut-être injustes. Moi, je suis en retraite, on m'a dit, monsieur Dacosta, ben, on m'a dit, je vais voter pour monsieur Macron. Bon, j'ai voté monsieur Macron au deuxième tour parce que j'ai voulu voter républicain. Je ne m'engage pas. Au premier tour, je n'ai pas voté monsieur Macron. Mais j'ai vu son programme. Bon, son programme, quand j'ai tiqué un petit peu, quand. Il vient de parler de la CSG à 1,7 pour les retraités. Mais je dis tant pis, moi, pour moi, il n'y a pas photo. Oui, je suis d'accord avec vous, mais là, vous déviez. On parle de l'immigration. Non, mais je dévie, mais. Avant d'arriver à rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si vous dépensez. Même si vous dépensez 500 millions d'euros ou si vous dépensez 1 milliard d'euros pour les émigrés, c'est peanut. Notre budget, on est à combien de 300 ou 400 milliards de budget? Non, est-ce qu'il y a les... Alors, si vous faites de la démagogie, c'est-à-dire que moi, on va piquer 1 milliard aux émigrés et puis on va les donner à qui? Donc là, on veut remettre l'ISF. Si moi, demain, on remet l'ISF, est-ce que je serai plus riche? Non, ça ne touche pas à nous, ça touche à... Alors, c'est sûr, mais c'est pour moi, c'est un peu la nécessité de démagogie. Mais ceux qui travaillent, on donne trop aux émigrés. Non, on ne donne pas trop aux émigrés. Mais ça, c'est le gouvernement. Non, je n'ai pas dit qu'on donne le fond. J'ai dit qu'avant d'accueillir tous ces gens-là, c'est de régler déjà notre problème à nous. Il y a des Français qui sont dans la misère, il y a des gens qui sont dans la vie. Il y a des choses quand même que quand on gratte un petit peu, des fois, ça nous met dans les bouilles. Il y a des Français purs. Là, vous voyez, ils sont dans la galère, on les accueille. Je comprends qu'ils viennent de pays en guerre, je comprends que c'est voilà, des hommes qui ont laissé des femmes et enfants dans un pays en guerre, ça je peux comprendre. Ils essayent de recréer quelque chose. Je pense qu'on ferait nous tous pareil si un jour la France était en guerre. On essayerait de mettre notre famille en sécurité. Mais au bout d'un moment, faut ouvrir les yeux et se dire il y a nos propres Français qui sont dans la misère. Il faut stopper un moment et dire stop, on ne peut pas accueillir tout le monde. C'est pas il faudrait qu'ils gagnent moins que celui qui est en France qui a un petit budget. Alors on dit que la France a quand même. Ils ont de l'argent, enfin moi je suis assez maternelle, je ne vole pas haut. Ça ne vole pas haut, mais je me dis, je m'emmerde parce que c'est vraiment long. Hein. À me lever le matin, à travailler des heures, ils touchent la même chose à la fin de l'année, mais ça fout les boules. Franchement, je l'avoue. Des fois, je me dis pourquoi je me lève. Pourquoi j'essaye de donner un exemple à ma fille d'aller travailler alors qu'il y a des gens qui arrivent en France qui n'ont jamais, du coup, jamais cotisé et qui ont des aides. C'est bien si on peut les aider. Mais on peut les aider si nous, on s'en sort. Pour l'instant, nous, on ne s'en sort pas. Et sincèrement, je suis bien placée de les aider, mais un peu moins. Un petit peu moins. Parce qu'il y en a pour moins que... Parce que là, il y a quand même un souci. Ceux qui travaillent, on est là. Et puis ceux qui ne travaillent pas, ils sont là-haut. Voilà, exactement. Alors, je ne dis pas tout le monde, il y a des cas, mais ils sont vraiment dans la misère. Mais il y a quand même un minimum. Il ne faut pas trop faire une base. On les mettra à la disposition des agriculteurs.